Bonjour Eroc, je m'appelle Adrien Roard, j'ai 25 ans et je travaille chez Café Liégeois comme graphiste au marketing. Je pratique l'escalade, la course à obstacles et le street workout depuis 5 ans. Après avoir fait 5 ans de street workout, mes amis me disaient régulièrement « Adri, quand est-ce que tu t'es inscrit à l'émission Ninja Warrior ?» Et après les avoir écoutés et m'être correctement préparé, alors là j'ai choisi de m'inscrire et de participer à l'émission. Alors pour participer à Ninja Warrior, c'est un peu compliqué parce que ça prend un peu de temps et il faut rester motivé. Donc il y a une première fois où on doit répondre à une trentaine de questions. Sur son passé, sur ses sports, ses hobbies, etc. Après ce premier questionnaire, alors on doit faire une petite vidéo en répondant encore à des questions. Et ensuite, enfin, on est invité à faire les tests physiques à Paris. Et puis après ces tests physiques à Paris, là on reçoit un mail à peu près deux, trois semaines avant l'émission et le tournage. Et alors là, on est invité à participer à l'émission. Ninja Warrior, fatalement il faut un petit peu arranger ses entraînements, donc c'est ainsi que j'ai été 2-3 fois dans une salle de Ninja Warrior. Donc il y a des salles comme ça qui ont ouvert un petit peu partout, et là-bas je m'entraînais vraiment ciblé sur des obstacles qui sont vraiment connus des athlètes et des candidats Ninja Warrior, et tous mes entraînements au street workout et au parc aussi ont été un petit peu améliorés et modifiés. La chose la plus compliquée dans Ninja Warrior, c'est vraiment de pouvoir gérer plutôt son effort et la fatigue, parce que ce qu'on ne voit pas dans l'émission, c'est que nous on arrive à 20h sur le lieu de tournage et ça peut durer jusqu'à 3h30, 4h voire 5h du matin, et donc il faut rester lucide toute la partie, bien s'alimenter correctement, et alors au moment où on passe sur le parcours, là s'entraîner, bien s'échauffer et lancer le coup d'éclat et se dire qu'on n'a que cette chance là et il faut saisir sa chance et on n'a pas le droit à l'erreur. Chez Rox, ce que j'apprécie, c'est le dynamisme de la marque. On voit la marque de plus en plus dans les shops un peu partout, ici à Liège en tout cas, car c'est d'ici que je viens. J'adore le textile et leur envie de toujours faire plus, donc notamment pour les pantalons qui deviennent de plus en plus stretch, donc ils répondent aussi à des critères et des demandes des consommateurs. Et voilà, je trouve vraiment que c'est une marque dynamique qui n'hésite pas à proposer de nouvelles choses et qui a un design et un look sympa. Alors mon héros préféré, c'est pas vraiment un héros, c'est plutôt un personnage historique. C'était Jules César, parce que je me suis déguisé en Jules César tout le long du parcours. Pourquoi? Parce que c'était un personnage conquérant qui impose bien. Et puis tout le monde se rappelle de Jules César dans l'histoire. Et moi je voulais marquer ici l'histoire aussi à Ninja Warrior, et que tout le monde se rappelle du petit Belge qui a participé déguisé en Jules César. Et donc le but était de conquérir l'empire de Ninja Warrior. Et donc vous le verrez ce vendredi à l'émission pour savoir si oui ou non j'ai réussi à faire ce que je projetais de faire.